Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur PS3 pour jouer à un jeu de combat, donc d'une série qui ne finit pas de finir, littéralement. On a 14 opus. En fait, je sais pas s'ils ont réellement calculé à la base, parce que on s'entend que là, aujourd'hui, on va jouer au 13e, mais je sais que le 12 existe, je sais que le 11 existe, le 10. Jamais vu ça de ma vie. Puis les autres étaient, on va dire, avec des années. Donc je ne sais pas comment ils ont pu arriver à ce résultat. Donc déjà, évidemment, vous avez vu le titre dans la vidéo. Je n'ai toujours pas nommé ce jeu-là. Donc on a une introduction avant de commencer. Donc on va regarder tout ça. C'est rare de. En fait, ils nous en mettent. Non, je veux dire, ils nous en mettent jamais, mais c'est faux. Il y en a eu des très belles dans les versions 3D de ce jeu-là, qui n'est pas les versions qui ont fonctionné le plus, évidemment. Ça, c'est bien, j'avais jamais vu l'intro, en fait. De cette version-là, j'ai pratiquement pas joué. Tout ce que je sais, c'est que contrairement aux 12 qu'on a essayé dernièrement sur la chaîne, il y avait quand même, je vais dire, pas tant de personnages que ça, contrairement à la version 11 qu'il y en avait, écoute, je sais pas combien, ils étaient pratiquement tous là, à un moment donné, mais là, comme ils ont changé de moteur visuel, eh bien, tout simplement, vu qu'il a fallu qu'ils redessinent des personnages. Bien, tout simplement, c'est qu'ils n'en ont pas fait autant que prévu. Donc, pour la version 12, et comme la version 13 est sortie, ben, ils ont repris les modèles, évidemment, qui étaient sortis sur le 12, et ils en ont rajouté le double. Donc, ça donne une bonne palette de personnages, normalement. Et ça, c'est ce que je pense avoir lu quelque part, parce que j'ai pas joué à ce King of Fighters 13. Alors, on va jouer. Merci de me couper moi-même, me couper mon élan. Alors, on va jouer aujourd'hui à King of Fighters 13. Donc, on est prêt à starter ça. Je ne sais pas si, encore une fois, les boutons sur la manette vont être inversés quand je dis ça à toutes les fois. Ça arrive pas, mais c'est quand même quelque chose que je dois garder à l'esprit. Donc, le menu principal, visuellement pas super joli avec les numéros à côté de choix. Je suis pas sûr, en fait, de ça, je trouve pas ça beau, mais si c'est fonctionnel, tant mieux. Donc, on a un mode tutoriel, quand même nécessaire. On a un mode arcade, ladder classique. On a un mode histoire, qui est quand même bien. Après ça, versus, bon, évidemment, contre le CPU ou contre un adversaire. On a le mode entraînement quand que l'adversaire ne bouge pas du tout, donc c'est un pantin. PlayStation Network, là, évidemment, c'est pas connecté, mais je me ferais littéralement péter la gueule. Replay, donc on peut enregistrer des matchs qu'on a fait si jamais ils étaient intéressants. Ça, c'est. Bon, en tant que tel, c'est sûr qu'on enregistre avec une box ou de quoi. Fait que déjà là, à la base, c'est pas une fonctionnalité qui est nécessairement nécessaire, mais pour ceux qui veulent vraiment remplir leur disque dur, il n'y a aucun problème. Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité. Après ça, le mode galerie, tout dépendant des images et des vidéos qui sont déverrouillées avec le mode probablement storyline, ça va être là. Un mode mission, donc ça avait fait son apparition il y a une couple de King of Fighters. C'est pas quelque chose que j'apprécie particulièrement parce qu'en fait, c'est des choses qu'à un moment donné, ça commence à être tellement difficile que pratiquement, c'est les joueurs vraiment, 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 vraiment forts qui vont réussir à faire ces missions-là. Puis l'affaire, c'est que ça donne quelque chose d'ultra intéressant, genre exemple, un personnage à déverrouiller. Fait que le monde, ils ont de la misère à jouer, ben, ils peuvent pas avoir le contenu complet. Ça, je trouve ça un petit peu dommage.
personnalisée, donc palette de couleurs, toujours intéressant. Je vais pas aller me lancer là-dedans, ça m'intéresse pas. Données du joueur, savoir le pourcentage de victoire donc de chaque personnage, PlayStation Store, puis les options. Donc ça devrait, ça fait pas mal le tour. On va aller voir le tutoriel, qu'est-ce que ça donne pour débuter. Donc de ce que je comprends, ma manette va être bien setée pour aujourd'hui. Donc le système de base, puis le système de jauge. Le système de base. Fait qu'ils vont m'expliquer les kicks, les low kicks, les high kicks, les low punch, puis les high punch. Fait que Rose Bernstein. Fait que c'est Raiden contre Kyo. Donc parfait. Avance, recule. Donc je peux bouger avec le stick, je peux bouger avec les flèches, qui est une bonne chose. Fait que je me demande d'avancer. Fallait que je touche à l'autre personnage. Ok, je vais arrière maintenant. C'est fait. Pour l'instant, ça fonctionne. S'accroupir, en bas, ou la diagonale. OK, parfait. Ça fonctionne. Double tap pour un sprint, ou double par l'arrière pour faire un retrait. Parfait. Un moyen saut, donc. Évidemment, il n'y a pas de demi-saut, par contre. Ah oui, ils disent d'appuyer brièvement, juste pour faire un fake jump. Évidemment, de pousser par en avant. Saut moyen. OK. Je peux sauter. Je pourrais sauter. Ben le saut moyen. Ça, bref. OK. OK, juste un mini saut comme ça. Pas ça qu'ils vont me faire faire un giga saut en sprintant ou je sais pas trop quoi. Et voilà. Je suis pas sûr si ça va être vraiment un truc que je vais utiliser personnellement. Donc, un esquive avant neutre ou avec low punch, low kick. OK, cool. Des genres de dash. Parfait. Tu peux le faire par en arrière aussi. Ça, je pense que c'est nouveau. C'est pas une fonctionnalité que j'ai vue dans d'autres King of Fighters avant. Donc, projection avec un high punch. Ou, en fait, il faut que j'avance vers lui. Ou sinon, arrière. Ou arrière avec low punch ou arrière avec low kick. Un amorti. Low punch, low kick. OK. Faut que j'attende qu'il m'attaque, mais il n'y a pas de décompte. C'est pas super évident. Mais merde. Évidemment, je vais réussir, hein. Bien sûr, une fraction de seconde avant. Pas sûr que ça fonctionne réellement mon affaire, mais bon. Hein? Ça fait bon pareil, hein? Parce que ça fait pas plus que ça, le low punch, low kick. Là. Je l'ai bloqué et tout. Je sais pas qu'est-ce qu'il veut que je fasse, en fait, encore une crise de foi. Évidemment, il me met encore une fois pas les maudites touches de marde au lieu de me dire carré X. C'est low kick, low punch. Mais, évidemment, il faut que tu découvres c'est quoi. Mais là, je ne cache pas c'est quoi son amorti. Je ne peux pas faire un amorti. Ce que ça fait, c'est que ça passe carrément à travers. C'est un dodge. Ça fonctionne pas parce que vous voyez que je me le prends en pleine gueule depuis tantôt. Puis là, toutes les fois, c'est juste pas timé. Ça, là, je l'ai fait exactement à timer, ça marche pas. Ça, puis si je fais juste un punch de temps en temps, ça marche pas. Bon, fait que je tenais déjà. Fait que le mode tutoriel, à toutes les fois que je joue à un jeu de combat et qu'il m'offre un tutoriel, puis que c'est un jeu qui vient du Japon, à toutes les fois, je pogne les nerfs, comme je viens de le faire là, alors que King of Fighters, c'est une des séries que j'affectue particulièrement. Et à chaque fucking fois que ça arrive, c'est incroyable à quel point je comprends pas quelle sorte de gameplay ils veulent que je fasse.
un amorti. C'est comme, je sais pas, tu cancelles le hit de l'autre ou tu passes en dessous. Puis là, à toutes les fois, ça n'a rien galissé. Fait que résultat, ça me frustre. Donc, rendu là. Mode arcade, on le sait que c'est un ladder, c'est pas super intéressant à aller voir. On va voir le mode histoire, on va aller voir le mode entraînement pour voir les personnages. On va aussi se lancer le mode mission pour voir un peu qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, le mode entraînement, qui est pas la même chose que le tutoriel de merde. J'aime bien avoir un tutoriel, mais j'aime ça quand que tu vois pas qu'est-ce qu'il veut que tu fasses. En dégâts, bref. Donc, on a Kyo. Donc, visuel toujours super joli de ce nouveau moteur visuel King of Fighters était dû. Donc, Kyo, on a Benny Maru qui est toujours là avec son chandail juste cache mamelon. On a Damon. Après ça, on a Terry Bogard. Andy, son frère. On a Joe. Après ça, on a Randomizer. On a deux personnages qui ont l'arrêt de verrouiller à côté de Ash Crimson. Après ça, on a Ryo. On a Robert, on a, je pense, genre Takashi, Takuma, j'étais pas loin quand même. Ah, ils ont changé son stance, lui. Iori, après ça avec Mature et Vice. Après ça, on a Leona, avec Clark et Ralph, les bons vieux players des Guerry Warriors. Aussi, on a Chin, on a Kensu, on a Athena, Maxima, Kula, toutes des A. On a Key Prime, on a Yuri, qui est plus petite dans celle-là que ce qu'elle avait l'air avant. King, mais avec évidemment ses boobies qui on ne sait pas comment il reste à l'intérieur de sa tunique, on ne sait pas. Raiden, HWA, WA, mais pas un personnage que j'ai vu souvent. Kim Kapwong, Shen, Duo Long et Elizabeth. Je crois que ces trois personnages-là ou ces quatre personnages-là étaient des personnages DLC. Je vais pas m'avancer, mais il me semble que j'avais acheté l'entièreté l'entièreté des contenus téléchargeables. De ce que je vois, il y a deux personnages chaque côté qui vont être déverrouillés probablement faisant le mode histoire et probablement faisant le mode mission. Hein, tu sais, comme j'avais expliqué un peu plus tôt. Donc, je vais prendre mes... je peux choisir son set de couleurs. Encore une fois, dans les deux derniers jeux de combat qu'on a essayé, c'est très cool qu'ils nous donnent le choix de sélectionner la couleur et non pas t'appuies sur cercle. Ah, ben ça l'a sélectionné pas la bonne couleur. Tu sais, ce genre de truc-là là, qui me gosse vraiment beaucoup, qui est un minimum, me semble. Je sais pas. C'est pas super compliqué à faire. Rajoute une ligne de commande de plus dans ton programme. Donc là, évidemment, l'ordre des personnages, normalement, c'est 3 contre 3 ou 4 contre 4, mais il y en a un que c'est un helper, un joker. Donc les niveaux, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ouais, 21 ou 22 ou quelque chose de même. On va aller là pour la cause. Les temps de chargement sont quand même rapides, on s'entend. Donc, petite musique, pas vraiment de combat, mais c'est pas grave. Visuel en arrière, super beau. Je sais pas par contre s'il va y avoir des animations. Ici, très 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 subtil, le petit drapeau en haut à côté de la jauge de temps. Il bouge. Pour l'instant, c'est à peu près ça. La petite fumée bouge aussi en arrière. Donc, la poussière, c'est quand même pas pire. Les nuages ne bougent pas du tout. Parce que, si on se rappelle, je crois que c'était Blaze Blue, les décors en arrière, il n'y avait rien qui bougeait. C'était plutôt dommage. Donc là, ici, les animations, c'est super fluide. Il manque pas de frame dans les animations du tout. Super rapide aussi, quand même, comme gameplay. En fait, super rapide. Je vais pas dire trop rapide. Je vais dire conséquent parce qu'à un moment donné, dans les versions 3D de King of Fighters, c'était plus exactement ça côté vitesse. C'était beaucoup trop lent. Après ça, ils sont revenus avec le 12. Le 12, il me semble, qui est un petit peu plus lent. Donc, je pense qu'ils ont amélioré un petit peu le gameplay de celui-ci. Donc, ce qui est une bonne chose. Puis là, j'essaie de sortir quelques moves spéciaux. Et voilà, donc ça fonctionne encore, c'est une bonne nouvelle. Donc c'était pour voir un peu le cast de personnages.
et aussi un peu un level et le gameplay, parce qu'évidemment, dans le training et tutoriel, on n'a pas vu grand-chose, bien sûr, grâce à ma patience légendaire. Et donc, on va se garder le mode histoire pour la fin, je pense bien. Donc, ce qui nous reste présentement, après le mode entraînement, c'est le mode mission. Puis après ça, on va se lancer dans l'histoire. Donc, le mode mission. Est-ce que c'est par personnage? Ah, non, pas du tout. C'est Urk. Ok, c'est un petit peu dommage. Je m'attendais à. Il y avait une version que. Je ne me souviens plus c'est laquelle. Il y avait vraiment des missions différentes. Exemple, passer deux ennemis avec une barre de vie. Après ça, puis évidemment, tu choisis pas ton personnage, mettons, ou ben non, tu le choisis, peu importe. Après ça, il y avait. Vous avez 15 secondes pour battre un adversaire, des trucs comme ça. C'était vraiment comme des défis. Là, le menu mission, le time attack. Donc, battez-vous contre l'ordinateur suivant des conditions spécifiques et tentez de remporter la victoire le plus rapidement possible. Donc, un time attack très, très, très classique. Et je m'attendais à avoir comme des choix. Mettons, comme, ben plutôt comme des numéros. Donc, de 1 à 30, exemple, comme défi. Mais là, c'est pas ça. C'est vraiment juste comme un sous-menu de trucs qui auraient pu être au menu principal. Survival, ben, tu te bosses autant que tu puisses plus. Fait que c'est un score. Puis le trial, mesurez-vous une variété de missions spécifiques au personnage. Et voilà, c'est ce que je cherchais. Et voilà. Fallait juste que je finisse de lire, bordel. Donc, mettons que je prends Key Prime. Présentation quand même soignée, à part le menu principal qui est un petit peu clunky. Et il y a 10 niveaux par personnage. Et évidemment, ils sont pas déverrouillés, il faut les faire une première fois pour pouvoir les refaire. Donc, c'est de faire des moves et ou des combos. C'est ce que ça veut dire. Ok. À la, je veux dire, à la, évidemment, ça, je serais jamais capable de faire ça. Je sais d'avance. En fait, c'est un peu comme le tutoriel. Donc, puis je peux faire un recommencer pour ça. Je peux aller au suivant. Donc, OK. Donc, c'est un peu. J'avais eu la même expérience avec Dead or Alive 1 ou Ultimate qui ont mis ce genre de training-là dans lequel tu apprends tous les moves d'un personnage. Malheureusement, dès qu'on arrive dans des genres de combos comme ça, moi ça me perd. J'ai pas le niveau de gameplay, la coordination pour faire ça. Je peux être très bon dans d'autres types de jeux, mais quand on arrive là-dedans, c'est zéro et une barre. Faire un combo avec deux attaques en bas, dans le milieu, puis faire un demi-cercle, c'est très Street Fighter-esque dans ce gameplay-là. Et ça, c'est pas. Plus un joueur style Mortal Kombat avec des avant-arrière ou des trucs comme ça pour faire en fait, pour lancer des attaques un peu plus, je vais dire, simplifié, mais malgré tout, il faut quand même les connaître, t'sais. Faut que tu saches qu'est-ce que tu fais. Donc, le mode mission me fait penser à Dead or Alive que j'avais trouvé extrêmement difficile de ce côté-là avec les grabs en plus, grab au corps, grab aux jambes, grab à la tête, t'sais, il est ultra complexe, Dead or Alive. Petite gorgée de café sur le side. Et j'avais eu après ça cette expérience-là avec Marvel vs. Capcom 3, dans lequel j'ai abandonné, en fait, rendu genre au dixième défi de chaque personnage, parce qu'on se ramasse avec des combos pratiquement impossibles à faire. Et c'est pas quelque chose que j'apprécie ou que je suis satisfait de faire. Puis en tant que tel, de passer autant de temps sur un jeu. Oui, probablement que tu deviens à un certain niveau, donc dans le compétitif, mais je suis pas là-dedans. Je suis un amateur et je jouais pour jouer pour le plaisir. Et malheureusement, le mode mission présentement vient de me prouver que c'est fait pour un certain range de joueurs, malheureusement. T'sais, juste déjà, je peux pas regarder de vous lancer la première mission. Fait que déjà, ben évidemment, il faudrait que j'essaye plus. Est-ce que c'est le fait de jouer avec une manette? Est-ce que je devrais avoir un stick arcade? Est-ce que tu sais, c'est plein, 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 plein de questions. Malgré tout,
un petit peu déçu parce que je sais que ce contenu-là sera possiblement pas fait malheureusement sur ce jeu-là. Y compris le tutoriel, il faudrait que je prenne plus de temps à comprendre et que je m'arme de patience, malheureusement, qui est limitée. Et donc, il nous reste le mode histoire. Donc, qu'est-ce que ça mange en hiver? Et nous ici, au Québec, on est l'hiver. Donc, King of Fighters, le plus grand tournoi d'arts martiaux au monde. Tout comme autant de monde entier s'y rassemble, mais comme partout, tout n'est pas rose. Waouh! Et ce, ceux que le destin a manqué un bout de phrase, ceux venus d'une terre lointaine. Okay? Il y en a un qui est un peu weird. Après le choc créé par l'apparition de ce clan mystérieux et puissant, une vague de chaos s'est répandue dans le monde de King of Fighters. Mukai et Megaki, tous deux apparus dans le tournoi précédent. Donc, je pense que c'était des genres des enfants ou quelque chose de même. Leur origine, leur but, leur pouvoir, on ne sait rien de ce clan, mais afin de le combattre, une organisation de police internationale a demandé à l'équipe d'investigation de Hydem d'agir. Ok. Sous la direction de Ralph et Clark, une équipe d'agents ont résolu de nombreuses crises, lancé des missiles, mitraillé des gens. Dans le passé, ils font maintenant équipe. Mais malgré tout, c'est ça, manquez le bout de la phrase. Alors qu'ils tentaient de combattre la menace montante, Hydem tentait de se rebeller. Bon, ça donne bien. Et soudain, en pleine crise, avec ceux venus d'une terre lointaine, un jeune garçon apparut alors. Il se moqua de ce mystérieux clan et de ceux qui s'y opposaient, car il avait lui-même Ash Crimson, qui est un garçon finalement. D'accord, j'ai toujours cru que c'était une fille, Ash Crimson. Donc, toujours se méfier des personnages japonais, dont Poison dans Street Fighter, en fait, The King of Fighter, pas King of Fighter, Final Fight. Donc, ça, c'est un garçon. D'accord, il voilà le pouvoir de Yata. Et tout ça, c'est un genre de mode histoire. En fait, si le mode histoire, c'est un poster avec du texte par-dessus, je vais être clairement déçu de ça. J'espère qu'il va y avoir, tout dépendant de mon choix de personnage, certaines vidéos ou des trucs exactement comme on voit là avec un peu de texte. Sinon, j'espère que c'est pas parce que je bats le boss de fin avec tel personnage dans mon équipe et non pas, genre à ce moment-là, je parle pas des personnages restants autres que je pourrais choisir, vraiment le personnage qui donne le coup final sur le boss, c'est celui qui va déverrouiller la vidéo, donc de sa propre vidéo. J'espère que c'est pas ça. Donc, ou qu'on joue chacun des personnages différents, ça serait quand même très très cool. Ok. Petite musique triste. Elisabeth Branque Torche. C'est triste. On s'en fout un peu, là, mais triste. Que la musique présentement est très 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 disparate. On a du piano triste, on a du jazz, on a. La techno, c'est un peu weird comme mix. Pas mauvais, attention, pas mauvais, mais un peu weird. Donc, est-ce que je vais pouvoir jouer en jouant au jeu? Ou... Là, tout ce que j'ai eu le temps de lire sur la slide précédente, c'était il agrandit ses trous et c'est dangereux. C'est hors contexte, c'est pas super. Quand que je pogne juste ça comme bout de texte. Ok. Est-ce que c'est une deuxième partie d'histoire ou c'est parce que je vais être forcé de jouer certains personnages? Quelque chose qui me dérange pas, là. C'est ce que je voudrais en tant que tel comme mode histoire, c'est de jouer le plus de personnages possible et non pas comme utiliser le mode arcade, comme j'ai dit, puis avoir une vidéo à la fin, t'sais. Mais qu'ils nous mettent une petite slide au début et une petite slide à la fin, t'sais, de chaque personnage là, sur le pot, ce serait pas terrible. C'est long là, c'est pas vraiment intéressant. Ça me. Surtout que c'est Ash Crimson. Ash Crimson, c'est tellement un personnage que. Comment je pourrais. Je vais essayer d'utiliser des mots corrects. Je pense pas que ce soit possible, mais c'est que c'est un personnage dont je me calisse. Et c'est pas un personnage que j'ai apprécié depuis, je pense, c'est 2003, King of Fighters 2003, puis il est apparu là, puis
Ça a jamais été un personnage que j'ai apprécié visuellement, pas attrayant, côté move, pas attrayant. Fait que résultat, que ça soit, ils ont toujours fait ça, ils ont toujours basé un peu leur storyline sur un ou deux personnages qui viennent d'arriver, puis tout le reste sont juste là puis subissent. Ça, je trouve ça un petit peu dommage. Parce que là, on est revenu sur Ash Crimson. À un moment donné, c'était Lian Neville dans la version 3D avec un autre personnage, là, genre de robot fillette comme d'habitude, là, avec une robe de soirée bal 1722. Type de personnage japonais classique, là. Après ça, 2003, c'est ça, c'était Ash Crimson. 2002, c'était un autre personnage weird. Donc, c'est tout le temps, ils rajoutent deux personnages, puis ils font le storyline à partir de ces personnages-là. C'est comme, ben là, c'est-tu moi ou. Il y en avait d'autres aussi, là. Ah, mais ouais, mais les autres personnages que vous aimez, c'est qu'on met ceux-là, qu'on met dans chacune des versions. D'autres, ils n'ont pas d'histoire. Ils sont juste là, puis ils subissent. Je trouve ça un peu dommage. Là, sérieusement, c'est très très long. Hein? Je peuple. Donc, je peuple. Non, c'est peut-être pas le bon terme. Je remplis, on va dire ça de même. C'est peut-être pas mieux, mais. Je remplis le vide donc de cette présentation plate qui ne finit pas de finir. Bordel, sérieux, si c'est ça le mode storyline, là, ils l'ont échappé solidement. Parce que le 12, je t'avouerais qu'il m'avait pas impressionné. Le moteur, oui, mais côté contenu, c'était pas là. C'était une tech démo, on va dire ça de même. Là, je me dis, bon, mais il y a quand même plus de personnages, pratiquement le double. Non, pratiquement le double, mais là. Bon, un petit peu de blabla, Maxima, c'est étrange, tu veux dire quoi? On va skipper ça. Encore du texte, c'est ton invitation pour le tournoi, parfait. Ok, fait que là, ça jase de même, il n'y a pas de face, ok. Fait qu'on va skipper ça, mais parce qu'on est tanné, là, parce que. En tant que tel, là, la prémisse a pris environ quoi, une dizaine de minutes pratiquement, rien que pour ça. Encore du blabla, ça finit pas de finir. Donc, sélection de scène. Donc, les équipes King of Fighters, les combattants vétérans attendent impatiemment le début de King of Fighters, le vaisseau géant Noah, le porte-avions Trotman. Donc, j'ai le choix de mon scénario. Donc, les équipes de King of Fighters. Donc, je dois sélectionner une équipe complète. Donc, c'est ça, c'est ça, c'est mon équipe, les Ikari Teams, Ikari Warrior Teams. On a atteint notre destination, on est arrivé, bien compris. Nous avons encore un peu de temps avant l'annonce de la liste. C'est juste bien, attaque-moi, mais tu. Attends un peu, là, t'as un peu, là. Garde, mettons, là, OK? On recule, là. On recule un petit peu, là, parce que là, ça vient de me geler le cerveau, là. OK? T'as une escouade tactique, là. Ils sont trois, OK? Puis là, mettons, puis là, je vais pas dire, c'est deux gros badass, puis une chicks. Je vais pas dire ça de même, je vais dire, c'est trois gros badass, là, tu sais. Un avec un minigun, un avec un lance-roquettes à pompe, hein, quand même quelque chose. Puis l'autre. Ah, je sais pas, moi, deux pistoles en or avec des balles infinies. T'sais, genre, une affaire de même. Là. Weird, là, mais bon. Puis, lui, il a le droit d'un slow motion. Quand il saute sur le côté, là, il a le droit d'un slow motion. Les autres n'ont pas le droit. Bon. Ces trois-là arrivent à une destination pour laquelle ils doivent attendre qu'il se passe quelque chose. Par exemple, ils arrivent à une porte, alors que clairement, ils peuvent passer chaque côté, que c'est découvert par. Tu sais, il n'y a pas de toit autour de l'enceinte. Et eux, la première affaire qui arrive, c'est ah, oh, ben, on est une demi-heure d'avance, tire-moi dessus. Really? T'es ben cave. Mais t'es ben cave. Tu vas tout brûler ton jus, là, pour. Ça, pour te battre de même, là, en partant, avant que le vrai tournoi commence. Mais c'est vraiment cave. Pardon, colonel. Un petit échauffement, ça sert à. Ben oui. On va se battre pour vrai, puis si je perds, je suis game over, je pose. C'est vraiment cave.
Gameplay est encore bon, là. C'est juste vraiment cave comme principe. Ça a aucun sens. Attaque-moi pour se pratiquer, pour s'échauffer. Tu sais, l'autre gars, ouais, c'est parce que je viens de te tuer, t'es mort. Comme bon. Ok. Fait que là, écoute, je skip ça parce que ça n'a pas de sens. Là, début du tournoi dans le stade. Fait que là, au moins, attention, on a un branching path qui est intéressant. Mais là, c'est sûr que je continue avec ma même équipe. OK? C'est correct, là. C'est pas mauvais. Donc, ce qui veut dire que je pourrais recommencer plusieurs fois la storyline. Et là, mettons, parce que j'ai choisi ça avec cette équipe-là, là, c'est le début du tournoi ou dans le stade. Donc, si je fais le début du tournoi, il va se passer quelque chose. Mais si je recommence, je reprends ma même équipe, je pourrais choisir la section dans le stade qui va être autre chose. Et je pourrais recommencer encore, mais choisir une autre équipe à la place. Et ouais, probablement qu'on va avoir une première scène. Et après ça, on va probablement avoir proche du début du tournoi ou dans le stade, tout dépendant. Au moins, ça permet d'avoir, je vais dire, beaucoup de replay value dans le mode histoire. Donc, au lieu de faire, exemple, le mode arcade et de le faire plusieurs fois en espérant que le ladder change un peu pour la diversité donc des combats. Là, ben ici, ça nous permet au moins de nous-mêmes choisir notre propre destin. Je vais dire ça comme ça. Donc, dans le stade, fait que là, tout dépendant de ce qui se passe, ben là, ça jase. Puis évidemment, fait que là, il faudrait écouter tout ça, mais écoute, ça finira plus de finir. C'est plus long qu'un RPG, surtout qu'il n'y a pas d'animation. Tu sais, ça aurait été quand même simple de mettre une simple, légère animation à l'intérieur de tout ça. Puis je parle pas de ça, là. Parle vraiment de faire bouger. Ils nous ont fait une belle introduction. Puis après ça, ils nous mettent des images collées. Ah bon! Ben oui. Elle parle, là, mais évidemment, il n'y a pas de voix par-dessus. Bon, des animations comme ça. Là, c'est rien qu'une image, en fait, ça recule. Parfait. En fait, je suppose qu'il fallait que j'écoute les vidéos avec ma patience légendaire, encore une fois. Mais ça finit pas de finir, c'est incroyable. Là, dans le fond, le mode histoire, ce que vous voulez me dire, c'est que sur, mettons, là, que j'ai 8 combats un peu comme mode arcade, là, pour chacune des mettons, là. Ah, j'ai choisi une autre équipe maintenant. OK, je pourrais choisir encore celle-là. Ça, c'est un peu weird, mais bon. Fait que là, et je passe, mettons, j'ai 8 combats. Si je fais le mode arcade en mode standard comme ça, avec 3 personnages, le mode arcade doit prendre à peu près entre 10, 15 et 20 minutes à éclairer maximum, mettons que ça ne va pas bien. C'est pas mal le standard dans un jeu de combat. Pour faire, ça peut être plus court que ça peut être 2 minutes, là, mais mettons, 10 minutes, 10 à 20 minutes. Là, le mode histoire, j'ai l'impression qu'on a, mettons, 8 heures de gameplay pour faire un playthrough parce qu'il y a juste beaucoup de blabla alors que tu ne joues pas beaucoup. C'est un principe que je trouve moyen, c'est-à-dire Mortal Kombat, Mortal Kombat 9 pour ne pas le nommer, et le 10, on fait ça comme ça, avec, mais t'es obligé de jouer certains personnages, chose que j'ai bien appréciée dans le concept, mais ils font une transition. Là, ça retourne au menu, sélectionner une autre équipe, tu gardes pas la même, c'est pas. On dirait qu'il manque de peaufinage un peu. Ils sont pas allés directement droit au but, c'est lent, ils ont mis la présentation de la petite musique. T'sais, c'est correct, là, mais on est loin de la qualité d'un autre titre. Ah, mais ils n'ont peut-être pas le même budget, je suis d'accord. Mais malgré tout, il y aurait quand même eu moyen de mettre un peu plus d'animation là-dedans. Le menu, de le traiter un petit peu mieux que ça. Puis là, le mode storyline, bien aimé là, qu'on a un branching path, là. C'est parfait, là. C'est mieux qu'anticipé parce que je m'attendais à ce qu'il va y avoir une slide au début, une slide à la fin. Là. Bon, mais c'est mieux que ça. Mais c'est pas encore tout à fait ça. Fait que ça fait pas mal le tour, en fait, je pense, de notre. Là, je choisis l'ordre exactement de mes personnages. Puis là, on va combattre. Il n'y a pas de story, rien, il n'y a pas. Non, il parle pas. Ah ouais, bon, il se parle un peu. Hey, salut! Bye bye! Donc, qu'est-ce que tu fais? On s'en galisse, on va se battre. Parfait. Parce qu'en plus de ça, t'as du texte comme ça un peu au début. Et, comment je. Ah, puis j'ai une action requise, réaliser 3 sauts. C'est fait. Ah, ok, j'ai des défis en plus dans mon histoire.
C'est un peu n'importe quoi, là. Je l'ai frappé avec des mouvements spéciaux, mais il semblerait que... Ah... Il va me péter la gueule. Et voilà, c'est réglé. Ça, c'est les effets, c'est cool. Okay. Le gameplay, je l'enlève pas pantoute. Ils l'ont. Le système de jauge, ça fonctionne encore bien. Les personnages sont super jolis, c'est super bien modélisé. Les effets en arrière, c'est super beau. Le jeu est beau. Okay, ça, c'est réglé. Par contre, je retourne au menu principal parce que là, on va arrêter ça. On va arrêter l'hécatombe. Donc, ce qui arrive, c'est que le jeu en tant que tel, bon, évidemment, j'ai débloqué des trucs dans la galerie, tant mieux. Le jeu, je ne crois pas qu'il manque de contenu. Je crois qu'il n'est pas adapté. C'est plus ça qu'il manque du peaufinage dans le jeu, dont le menu, dont le mode mission, dont le mode tutoriel, dont le mode histoire. Ça me donne encore une fois l'impression que ça a été rushé pour sortir pour une date fixe, puis ça a donné ce résultat-là. J'étais un petit peu... alors que, tu sais, mon préféré de toute la série, c'est le 99. 99, beaucoup de personnages, beaucoup de maps. Pas tant de modes de jeu, mais le gameplay est juste excellent. Puis là, j'ai hâte qu'avec ce moteur physique-là et graphique, qu'il arrive au même point que le 99 a été. Puis ils sont pas encore tout à fait là. J'étais un petit peu déçu quand même aujourd'hui de ce King of Fighters 13. Mais malgré tout... c'est mieux que le 12, et clairement mieux que les versions 3D que j'ai déjà pu essayer auparavant. Donc, si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi commenter donc dans la petite section en dessous, et je me fais un plaisir de vous répondre. Donc, sur ce, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde!